leur voilà reparti pour soit une vidéo urbex ou une vidéo découverte de spot. Là on arrive tous les deux vraiment à l'aveugle. Non mais c'est plus loin hein, Julien. Ah mais déjà t'as un truc là-bas si tu veux. Ouais, faut avancer. Hein. Ah bah oui, quand tu voyais sur. Ah Earth, c'est cool ici pour une enquête. Ah mais pour pique-niquer. Tu vois, pique-niquer ici. Il y a un panneau danger là-bas, j'aime pas trop beaucoup ça. Ouais, il y a peut-être des mines qui restent de la guerre, mais c'est pas bien méchant. Ça doit être les chiottes. Non. Ah putain, si c'est les chiottes. Bon, oh putain. Faut faire gaffe, il y a des panneaux bien visibles. Hein. Bah, je sais pas ce que c'est, mais. Non, il y a un plancher qui est explosé. Il est là-bas le bâtiment. Ouais. Attends, va pas trop vite que je te prenne en photo. Ce qui m'inquiète, c'est le panneau danger par contre. Bah, peut-être que ça s'écroule. Ce qui est bizarre, c'est que t'as plein de tables et tout pour bouffer et. Personne. Présence de cavité, risque d'effondrement. Ouais, tu vois, c'est pas méchant. C'est pas méchant qui dit, lui. Sans déconner, quoi. Ah, y a pire. Oui, bah oui, tout à l'heure, c'était marqué des trucs. Enfin, bref, je vais pas trop donner de détails pour le lieu, mais. Non, je pense que peut-être plus passer par là. Tu crois? Ah bah finalement, ça va peut-être devenir un urbex aussi. Hein. Bah il a l'air d'être gros en tout cas. Ouais. Petit réglage de... réglage de caméra. Je suis tellement peu habitué à. Ouais, c'est grand. Ah, un grillage. Hein. Ah. Par contre, on peut rentrer. C'est emmerdant ça. Ah, c'est pas sûr qu'on puisse avancer. Il y a peut-être un autre accès, Julien. Bah alors là. À mon avis, il fallait prendre sur la droite. Hein. Attends, bah reste là, je vais voir au pire. Moi, je suis quasiment sûr qu'il fallait à la droite. Ah, c'est quoi, il est sympa, hein. Ouais. On va essayer de trouver un. C'est bon ? On va pas faire le tour. Oh, on le voit un peu mieux là. C'est des restes de quoi d'après toi? Château? Je sais pas. Je dirais, hein, comme ça, à première vue. Ouais. Ça a l'air. Alors, par contre, le grillage, t'as vu, il a l'air de faire tout le tour, à mon avis. Bon, on peut essayer par là, hein, mais ouais, il y a de fortes chances. Qu'il doit, il doit entourer le site. À mon avis, c'est parce que c'est dangereux. Oh, on peut essayer de faire le tour par là. Ouais. Voilà.
Ah non, il y a un portail là-bas. Portail, je pense qu'il y a une chaîne. Je suis pas sûr. Non, restons autour. Et puis après, il y a la petite cabane là-bas. Ouais. Bah, ouais. Ah oui, c'est bien. À mon avis, il y en a qui ont forcé. Ouais, forcément. Ouais, il est carrément plié le bordel, regarde. Ouais, il y a un cadenas et tout. À mon avis, avant on pouvait, et puis Ah, enfin, c'est dommage, quoi. Ouais. Bon, c'est quand même une belle petite bâtisse. Ouais, il y a un cadenas. Classé patrimoine. Putain, il devait avoir de la gueule. Hein. Ah, il est beau quand même. Ouais. Ça empêchera pas de faire l'enquête, hein. Avec la cabane et tout. Ouais, tu peux. On peut faire un truc sympa. Ouais. Ouais. De toute façon, s'il y a de l'activité, Julien. C'est pas forcément collé au. Non. Même là, tu restes là. Ouais. Il n'y a pas d'autres petites ruines. C'est possible. À mon avis, c'est surtout pour la dangerosité qu'ils ont fait tout ça. Bon. Bah, c'était une petite découverte en speed. Je pense qu'on a fait le tour. Hein. Même pour pique-niquer, c'est sympa. Mmh. Ouais, il doit pas y en avoir beaucoup qui viennent pique-niquer. Non, parce que c'est quand même assez paumé et puis l'entrée fait un peu peur. Donc bonjour à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo du type urbex, plutôt découverte d'un lieu touristique. On est sur une ruine d'une vieille abbaye. Donc toujours en compagnie de Julien. Bonjour. D'ailleurs, ta voiture, elle gâche un peu le... Ah, tu veux peut-être que je l'enlève? Je viens. Ouais. Non, non, je déconne. Donc, t'as des infos, Julien, sur... J'ai construit cette porte en 1789. T'as bien bossé, hein. Bon, après, tu tapes le nom sur Internet, tu trouveras. Hein. Ouais, mais je veux pas trop... Bon, quoi que là, c'est un lieu touristique, donc... Donc, dans un tout petit village. Bon, malheureusement, on peut pas rentrer à l'intérieur. Mais on va vous faire une petite visite express. Tu l'as trouvé comment celui-là, par hasard? Ouais, vraiment par hasard, comme dans la cuisine. D'accord. Ah, on entend bien les abeilles, hein. Ouais. Les petites, hein. Ouais. C'est pas un petit lit, c'est bon. Quand c'est comme ça, faut appeler un. Mince, ouais. Je sais plus comment ça s'appelle, les messieurs qui prennent les essaims d'abeilles. Apiculteur ? Ouais. Apiculteur, ouais, je t'en remercie. Ouais. Elles sont pas exploitées. Exactement. Je fais gaffe parce que là-bas, il y a les noms. Je pense que là-haut, tu vois, ils ont mis du grillage pour éviter que les pigeons... Ah ouais, ah, j'avais pas fait gaffe là. Enfin. Je sais pas si on va bien voir. Ouais.
sympa d'entendre le coq en plus. Ouais. Ouais, des beaux vitraux encore. T'as zoomé avec les polières, c'est pas évident. Même la porte, elle a de l'âge, là. Vache! Je sais pas si j'ai halluciné, j'ai cru entendre quelqu'un dedans, donc je sais pas si j'ai halluciné, il me semble avoir entendu quelqu'un dedans. Elle devait en imposer, hein, parce que là déjà elle en impose. Hein. Il y a eu pas mal de fenêtres de condamnés. Ah là c'est sympa. La vue ici... Ouais. Je me rappelle une abbaye que j'avais fait une enquête, mais qui est un peu plus isolée qu'ici quand même. Là, il y a quand même du voisinage. Hein. Ouais, pour faire une enquête, c'est sympa. Ouais. Bon. Bah, ce fut rapide, ce fut bref, mais ce fut joli. Bon, ah, je vais pas réitérer, hein. Merci. C'est un plaisir. Merci Julien. De rien. Allez, tchuss.